Tiens, je connaissais pas cette façon de tuer les cafards. Waouh, énorme! Si jamais t'en voyais un autre, hésite pas à m'appeler, ok? Parce que, tu vois, j'aimerais te rendre service. Qu'est-ce qu'elle trouve, sportif? Moi, je l'élimine, lui! Enfin, je veux dire... Oh non, il n'y a plus de sel, j'aimerais tellement mettre du sel sur mon plat. Marie-Lou a dit que je devais pas le draguer. Mais bon, si lui, il me drague, j'y suis pour rien. Hé hey, t'as failli me défigurer! Bah enfin! Simon! Oh mon dieu, je dois avoir un petit bleu! Regarde! Non, ça va, t'es hyper belle! T'es vraiment canon! C'est vrai? Ouais, sérieux! Ça te dirait si on allait se balader? Faut que je lui dise non, faut que je lui dise non! Ok, d'accord. Oui, bon, ce n'est vraiment pas passionnant. Oh, ça, ça me passionne plus. Toi, quelles sont les nouvelles? À toi. Tania, où es-tu? J'arrive tout de suite, à toi. Je crois que jamais je pourrais t'oublier. Je crois que jamais je pourrais t'oublier, Raymond. Simon. Ciao. Raymond, Simon, ciao. J'adore faire partie des perdants dans ce jeu. Je me sens tellement bien ici. Si j'avais su que cet endroit était aussi génial, j'aurais fait en sorte de me faire éliminer dès le premier épisode. En plus, Simon et moi, on est ensemble maintenant. C'est lequel, Simon, déjà? Les bêtes de foire sont loin derrière. Ouais, c'est génial. Super classe. Exclusivement réservé aux gagnants de chaque émission. C'est le genre de prestation que méritent les jolies gazelles. Ah bon, parce que c'est réservé aux animaux? Oh, moi? Tu parles de moi? Ce type est aussi mielleux que le pain d'épices de ma maman. Tania est censée être amoureuse de moi. Personne ne peut résister au pain d'épices de maman. Tania, je sais faire des sauts périlleux. J'ai mal pour lui, pauvre. Comment il s'appelle déjà? Oh, je sais, Alejandro. C'est mon prénom. C'est trop romantique. Il est pas trop tard pour passer sous la grosse tombe? Alejandro a l'air d'assuré. On dirait un mouton de montagne, mais en 100 fois plus mignon. Moi aussi, je peux faire le mouton. Mesdemoiselles, permettez-moi de vous aider. Tania, je suis un mouton. Bah... Mais dans le jeu, j'ai l'impression que quelqu'un vient dans l'action. Oh, par Cupidon, c'est mon ex, mon Simon. C'est pas une illusion. Oh, cher Simon, 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 quelle émotion. Tu te souviens de moi? Oh, elle se souvient de moi. Ouais. C'est nous qui sommes en tête. Je te fais des bisous, Simon. Très bien, équipe Amazon. Ces juges n'y connaissent rien. Tes nénuphars méritaient l'Oscar de la mode. Tu es gentil, même si tu es très mauvais sur un podium. En tout cas, j'espère que ton équipe de hockey ne regardait pas. Si c'est le cas, ils m'ont vu pendant 20 minutes avec une fille superbe. Et vise la classe, Marius Casanova. Un baiser d'adieu avant que je ne saute. L'émission ne dure qu'une demi-heure. Tu gagneras pour nous, Simon, d'accord? J'ai dit que cette émission ne durait qu'une demi-heure. Certainement dû être jalouse. Voici Simon. Allons, bébé, j'arrive. C'est pas vrai, Simon. Ouais, j'étais sûre qu'elle se rappellerait de son nom. File-moi 5 dollars, merci. Pas avaler des piments extra forts avec du lait pendant que nous regardons un montage des gamelles les plus drôles de défis extrêmes tournée mondiale. Et si tu peux éviter de hurler quand tu recracheras tout par les narines tellement ça te brûlera l'œsophage, tu ne seras pas éliminé.
Allez, go! Cette séquence nostalgie ne manque pas du tout de piquant. Prends ton temps, Tania. D'autant que ce défi est dur à avaler. Terminé. Bravo, Tania. Tu remportes l'épreuve. Youpi. À toi, Simon.